Elle était au lycée avec Snoop Dogg. Elle a refusé le rôle de Rose. Il a la phobie des clowns. Il a un frère jumeau. Il est né en prison. C'est pas son vrai prénom. Il s'est fait passer pendant des années pour sa sœur. Il aurait dû être comptable. Qui ne connaît pas ce nom aujourd'hui? Et pourtant, bien au-delà d'un an, Meghan Markle, c'est avant tout une femme accomplie. Déjà à l'âge de 11 ans, elle avait une tête bien remplie et croyez-moi, ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Voici 10 anecdotes sur elle. Commençons cet épisode par une anecdote que tout le monde connaît, ou presque. Sérieux, Caro? Non mais attends, nous on regarde pas tes épisodes pour ça. On veut du neuf, on veut de l'info qu'on connaît pas. Tais-toi et écoute. Alors âgée de seulement 11 ans, Meghan Markle voit une publicité à la télévision pour du produit dégraissant qui promeut son usage aux femmes qui combattent la graisse sur la vaisselle. Il n'en fallait pas plus que ça à la petite Meghan pour être choquée par le concept, selon lequel les femmes se sentiraient plus concernées par la vaisselle à laver que les hommes. Meghan décide alors d'envoyer un courrier à la marque pour faire connaître son avis sur la question. Une action qui a eu son effet puisque la pub changera par la suite, prenant soin d'inclure les gens qui combattent la vaisselle sale et pas seulement les femmes. Et si je vous parle de cette anecdote connue en premier lieu, c'est parce qu'elle est révélatrice de la philosophie de Meghan Markle et de ses choix de vie. Ne souhaitant pas n'être qu'une simple jolie fille de Los Angeles qui souhaite devenir actrice comme toutes les autres, Meghan Markle entame un stage à l'ambassade des États-Unis de Buenos Aires après ses études à la Northwestern University, où elle a notamment fait deux masters en parallèle, l'un en théâtre et l'autre en relations internationales. En réalité, elle s'appelle Rachel Meghan Markle, mais elle a choisi de se faire appeler Meghan parce qu'elle trouvait qu'en termes de carrière, Meghan Markle, ça le faisait quand même vachement plus que Rachel Markle. Ouais bon, je comprends. En parlant de Rachel d'ailleurs, tout le monde se souvient de cette époque où l'actrice Jennifer Aniston portait une célèbre coupe de cheveux dans la série Friends. Une coupe de cheveux qui lui a valu une tendance coupe de Rachel chez tous les coiffeurs pendant des années. Eh bien, figurez-vous que Meghan Markle a elle aussi lancé une tendance, celle de la rhinoplastie. Les chirurgiens esthétiques expliqueront que son nez semble être le modèle parfait, majoritairement demandé, dépassant même les Kardashians. Meghan Markle a une véritable passion pour l'écriture, et je ne parle pas de pianoter sur un clavier. Non. L'actrice a une profonde passion pour l'écriture au sens propre. D'ailleurs, elle a une habileté incroyable à la calligraphie, à tel point que lorsqu'elle a commencé sa carrière dans le cinéma en faisant la figuration, parallèlement, elle s'est lancée comme freelance en calligraphie pour payer ses factures. Son talent lui a servi puisqu'elle a notamment écrit les cartons d'invitation de mariage de célébrités. En parlant de ses débuts, Meghan était tellement fauchée à l'époque qu'elle n'avait même pas les moyens de réparer sa voiture dont les portières ne s'ouvraient plus. Du coup, lorsque l'actrice se rendait à une audition, elle allait se garer tout au bout du parking là où personne ne la voyait et elle sortait par le coffre de sa voiture. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il s'agit de tourner dans un film ou dans une série, en général, on ne choisit pas sa tenue, on nous l'impose. Mais vous commencez à le comprendre également, Meghan Markle est une personne de caractère. Lorsqu'elle tournait la série Suits, elle a insisté pour que les bijoux portés par son personnage soient les siens et uniquement les siens. Meghan Markle est connue pour son style classe et élégant, un style qu'elle a tenu à imposer et à conserver malgré la vie royale qu'elle a temporairement menée. Car oui, Meghan aime la mode. Alors quand en 2016, elle a la possibilité de s'associer à la marque de vêtements canadienne Reitmans et de dessiner sa propre collection de vêtements, elle n'hésite pas une seule seconde. Une collection dont elle est évidemment très fière et pour laquelle elle met un point d'honneur à faire savoir qu'elle a travaillé dur sur toutes les étapes de création de celle-ci. En 2016, elle est l'ambassadrice du World Vision Canada, une organisation qui vise à améliorer durablement les conditions de pauvreté et de justice des enfants, des familles et des communautés. Avec eux, elle a notamment voyagé au Rwanda et en Inde pour y soutenir des campagnes concernant l'eau potable ou encore l'éducation des femmes. À titre d'exemple, elle dirige un projet nommé The Watercolor Project pour lequel des élèves du Rwanda ont peint des dessins. Ces mêmes dessins furent vendus et l'argent récolté permet au village d'obtenir une nouvelle source d'eau. Elle a également travaillé avec l'entité des Nations Unies à l'égalité des sexes et à l'anatomisation des femmes en tant qu'avocate. Et durant cette même période, Meghan Markle est estimée être l'actrice la plus recherchée sur Google. Et c'est sur ces anecdotes que je vous quitte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre un peu plus. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous. Allez, coupez.